Merci beaucoup, un grand plaisir de nous retrouver. Je vous avais promis, à chaque fois qu'il y a une actualité qui tombe, à n'importe quelle heure, nous allons venir pour décrypter cette actualité concernant la société, bien sûr, le monde politique. Alors, quand on parle de la société, on voit tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce qui tourne sur la toile, ce qui fait buzz et ce qui fait la une. Alors, nous en parlons. Ce qui fait tollé, Jackie Ndala, selon son témoignage, bien sûr, une interview réalisée avec notre consoeur, qui, je ne sais pas, je ne sais pas si je pourrais parler, dire, elle est en exil ou non, mais du moins, elle est à Paris, Bibi Kapinga. C'est une interview que Jackie Ndala a accordée à Bibi Kapinga. Et dans cette interview, Jackie Ndala avoue. Naloba on a lingala parce que baby YouTube naba censure normalement ma belle Jackie Ndala a lobby clairement que na aner basalaki makambo longo banité. Il a vécu des choses, même sa femme et sika sika laki nandaku batindaki batu pour que basalaye makambo eza bien te kolobango clairement na miso bato. On a eu qui témoigne Joana. Non, qui m'a mis sur Tambolinga, m'a mis sur Tanginga. C'est vrai, les gens peuvent dire, parce que moi d'abord, commentaire, bah, tout sur les réseaux sociaux. Bazolo Baké, non, Azolo Kandenia qui est des exils, Azolo Kandenia qui est des gosses à la buzz. Heureusement, Jackie Ndala, dans une de ses dernières interviews, à celle quand je pense, na Jazz Kavulu, Jazz Aza Awa, Jackie Ndala a dit ceci. Talaka. Na tant nyoso Jackie Ndala sa na télé ba succès nyoso. Je pense qu'en illustration, vous allez voir également un peu de photos de Jackie Ndala. Jackie Ndala dit ceci. Azalana nous tenter te que nous vendre la poto. C'est vrai à Kokyo Kinde. Abeta moi tour na cadre Moussala, a Kindo sala Moussala, mais ko vendre libanda Congo yé pour na ezala ka ezala ka ezala posate en fait. Alors que la posate. Et t'as oublié na émission on a pas journaliste alors qui est même passeport Azan en côté. Donc pour le moment Azan a la carte de lecteur naie Azan l'aise Azan au Congo. Namoni batu bazo au Lubanon loi qu'en exil Azo Lukabwe Azo Lukabwe. Mais ngata na yoki yango. Je vous ai dit je pense na Azan na dossier moro boy ya mutu moro son. Je pense na dossier Constant Mutamba. Je vous ai dit que namboka oyo tokomi na stade moko moto azo kufa. Tozo filmé. Mouta so lo bake, azo gang, azo bele la, ne ba lo ba rapa ba koko na biso mouni ndoki bele la. Mouta zo bele la. Mais tout le monde a encore les abas blagues. Constant Moutamba bele li awa keno, ba chéri nga poisson, tout le monde a encore les blagues. Jackie Ndala aussi ko bele la, ba doa konti tout le monde a encore les abas blagues. Ba blague. Le cas récent ici, yande kona biso pasteur, frère Nabiso, c'est plus Nabiso, il m'a dit que je suis à Farmalo là. Azo Koufa, je vais vous montrer blague, je vais filmer, je vais me mettre à l'hôpital. Et c'est ça maintenant ce qui caractérise l'homme congolais. Tout le monde a une image, je pense, c'est ça, na Est. Mon oiseau s'est noyé. Noyade. Mais je vais vous filmer, je vais vous montrer la blague, au lieu de vous sauver. Et c'est ce qui se passe. Namboka au juge Yanni à Koufa Karaboué. Tout le monde a kenda le quoi ba blague. Chérubon kende. Et basé belon on peut citer plusieurs noms comme ça. Et aujourd'hui c'est Jackie Ndala. Oazo belé là. Que même moi si naé. Je ne sais pas. Dans la ligne intervient au bimaté moi extrait on a moni alobi même moi si naé batinda batou pour que basala makambo ya bien té. Yemo basala ki makambo ya bien té. Balongoli dignité naé honneur naé tant que homme. Jackie Ndala l'a avoué. Et puis, il y a des gens qui ont été libérés. Moto Oyo a pisté qui est pour que les gens ne soient pas sonnés autant à Kombo Naye Awa. Moto Oyo a été moto à Banda qui est pour que les gens en premier. Pour dire que, oh non, Jackie Oboye, tout le monde a eu honneur, dignité, ne tant que mon bal, il n'y a pas eu comme ma boule, bleu ou ma bongo. Il a utilisé des expressions. Obino nyoso boyokaki. Et le kana ba twa monango lokola buzz ainsi de suite et Jackie Ndala aujourd'hui l'a confirmé na micro ya concert na biso
bibika pi na moni comme go circulé na réseau ba to baza ko banalisant. Mais moi je veux vous prendre, je veux analyser les faits. Je ne prends pas position pour dire que c'est vrai ou c'est faux. Moi je m'en tiens au témoignage. Na landi témoignage ya bourreau na ye, na lena témoignage na ye, je constate que ba témoignage na bango ezandenge moko, c'est concordant. Et que na sens moko. Je vous ajoute un autre élément. Et ça c'est dit. Je prends également les cas plus Romain Roland que je salue. Aujourd'hui également en clandestinité. Après l'émission de tournage qui n'a eu. Émission on peut être même à cas. Si beaucoup n'en a plus Romain Roland. Jusqu'à présent plus Romain Roland ça, en clandestinité. Moi, je suis en contact n'a eu. Exacté, beaucoup de forces. Je sais qu'il y a une marche, il y a des opposants. Il y a une force sociale, il y a une dynamique mise en place par Claudel Lubaya, Nabate Bele, Bele Balin, Bolo, Jovana Nakati, Andy Guados, Nombasi, ça la marche, Nabetela, je pense que ça c'est mercredi, devant le palais de justice pour que Batika traque, libérer Boposon. Je pense que également Nakati, il y a aussi des journalistes. Qui sont très engagés dans le combat, pembeni ya peuple. Je pense que, au nom de la manifestation, on a traqué si la peau de journaliste. Voilà. Je prends le cas plus Romain Roland. Plus Romain Roland Bakangi et plus Romain Roland Abimi, ce sont les mêmes gens de l'Union Sacrée qui ont fait fuiter info en disant que. Je ne parlerai pas de l'info, mais comme il faut faire fuiter l'Ikamo pour dire que plus Romain, Roland, Balongole qui m'a bali naye, dignité naye, basué dignité naye, nakatia boloko. Et ça s'est dit. Et ce débat a été tellement très ridicule dans un groupe WhatsApp. Et on a un Chris Moukendi na PCM Mbote, nouvelle classe politique. Bato tout bazana groupe en a depuis Tawana, Baebi. Comment est-ce que bateau y a Union Sacrée parce qu'on s'est moqué n'a plus sur Romain Roland. Je ne citerai pas leur nom parce que baza dignité en attend à bon plateau. Monsieur vous êtes avocat. Madame Amida Paluka Kangisae Boye. Et c'est lui qui a tenu ce propos en disant que non. Balongo la République qui me balle na na prison. Honneur na dignité na. Pour la bango, ils pensent que ils ont plaisir, ils ont sengo, il faut pas ça lango. C'est ça eux. Bon mon akiza fête. Il faut pas ça lango. Donc on dit il y a haine, un pouvoir na hébité. Makambo même sous Kabila. C'est vrai quand les gens disent ainsi de suite Kabila. Moi je n'ai jamais été défenseur ya Kabila. J'ai critiqué le régime Kabila Boyebi. Dans la manifestation sur terrain Boyebi. Je ne peux pas aujourd'hui encenser Kabila. Mais du moins, si on fait une analyse, une étude comparative, ou soit comparée, entre ce qui s'est passé sous Kabila et ce qui se passe aujourd'hui, on constate que ce régime est plus pire. Parce que les faits, nous avons dit au Bali, pour la cause de l'opinion, l'obité, faut au longolé dignité à Kibobali. Ok, type moi si naïe. Au longolé dignité à Mobali. Quand j'ai dit ça, vous tous vous comprenez. Non, l'obab expression était parce que l'émission est à caractère pédagogique. Je ne peux pas employer ce genre d'expression. N'amour non. Et puis, na YouTube, je pense que vous les katé. Pour Nabino, vous pensez que. Et ce n'est pas ça la bonne. C'est ça la politique pour vous. C'est de cette manière pour éliminer. Vos adversaires politiques. À ta politique, il y a un canaille. Il y a un extrait d'interview qui circule au président de la République, Azor Lobakeno. Même dans l'ennemi, le plus farouche, je ne peux pas souhaiter ma béko mélaï. Là, c'est le président qui l'a dit. Mais on constate que la pratique à chose, c'est également, c'est autrement que ce que le président dit. C'est ce qui inquiète et c'est ce qui étonne les gens. C'est autre chose que ce que le président dit. Je ne sais pas.
Ça viendrait de ses instructions ou bien ba zélé ba to amité mamabe au baza tout autour naye nde baza ko faire exécuter makambo bongo. Mais ce qui baza ko faire exécuter ngo Patrick Mouya a si bien dit dans une émission avec mes frères, mes confrères. Je cite bien Peter Siani, Paulette Kimuntu, Nicole Pocho, Louis-France Ouzikisa et Jean-Pierre Kayem. Le président est le mieux informé, le Congolais est le mieux informé. Nous sommes tous d'accord parce que c'est lui le président. La République a pu ses pouvoirs, on a pas moyen, on a pourquoi elle est le mieux informé de nous tous. Est-ce qu'on doit continuer à dire que le président a besoin d'informations, d'informations comme il a été, ou soit le président a besoin d'informations, le président, il sera en train, en tout cas, il obéit à moi, Karanam. Il y a aussi quand nos situations évoluent, ou soit la situation pourrie. Parce que ce qui s'est dit sur la toile, normalement sous d'autres cieux, on devrait directement interpeller la dame. C'est vrai, j'ai vu la sanction et à ses sacs pour 45 jours. Mais ce n'est pas suffisant. On doit réprimer ces gens d'actes. Et puis, apparemment, elle en a l'habitude de faire. Et pour l'abus, ce qui m'a comme ça, ça l'a honte, c'est parce que n'est-ce pas, donc aujourd'hui, dans ces régimes, ces pouvoirs collaborent, coopèrent, n'a pas tout moussoussou. Au bazar, revêtu d'un pouvoir à l'état. Tu y'a qu'à battre force du progrès, en train de dire également. Tu y'a qu'à l'inspection provinciale, il y a un commissariat provincial. Il y a qui tu as ça? En disant que, tu as parqué basse à l'Arabie pour que tu aies une opération, et puis tu foutu biso. Et tu as qui a un sous moto, oh ya lobby qui est, ça la rango, mais ce qui est dans la rango, c'est parce que, tu as bien été. Et elle va plus loin pour dire que, c'est un bon, non, qu'un apéro louard. Je ne sais pas. C'est vrai, Jacqueline Nala a affirmé qu'il y a ça la rana en air. Parce qu'effectivement, à Pista qui est, il y a un homme qui a pu s'agir tracé à Jacqueline Nala pour que va kangaye. Mais est-ce que, elle a les documents, ou soit elle est officiellement, elle travaille officiellement. C'est vrai, il y a un terme qu'on appellerait là-bas, honorable correspondant, ainsi de suite, parce que ça, terme, il y a un informateur là-bas. Mais est-ce c'est officiel que cette dame travaille là-bas? Ou bien, bon, ça, elle est de manière kaka, n'est-ce qu'elle est na ouenge, na régime. Même si bah, ça, elle est là, est-ce le rôle des services? C'est de faire ce que cette dame dit. Nga pe wa na yebi ti a yoko loba. Yo pe, na yebi boye, na yebi boye, na osala o boye. Malheureusement, biso siko to banga na biso te. Na nzoto, na molimo yankolo. Soki yo monike, nzoto na molimo izaya yo zwa. Nengo sala na o lingi, soki yo tika l'Eternel na mokili yoyo. Po biso to yabi na nzoto na molimo yankolo. Na nyoso a biso yankolo. Yo so monike, yo za Eternel. Joua sa nango olinga. Mais bon, yba ki bo konzi, eza na souka nango, ate bo sali 1000 ans, ate bo sali 30 ans, ate bo sali combien d'années, mais sachez que bo konzi a na souka nango. Et moi, ça m'a fait très mal. C'est vrai que les gens rigolent. Bat bo amon a baso banalisant, bo amon a blague. Mais c'est très sérieux. Je vous ai dit, tant ou bande oaza rolé là, tout le monde a la blague. Tout le monde attend où les plus pires et comment tu as une intervention. Et tu as un retard. Irréparable, les alliés ont commis. Bon, il y a un moment quand Jacqueline Dala a balaka. On peut faire, en tout cas, ce genre d'analyse. Azarana Anonae, c'est vrai qu'il y a également des mariés au balat un peu sous son note. On se pose des questions. Est-ce que, après ma cambouanande, il y a un moment là que Jacqueline Dala a sous son note. On se pose trop de questions. Parce que la dame l'a dit que tout ça là au boy, tout ça là au boy. Et Jacqueline Dala l'a confirmé. Mon robot ça n'est pas somme. Là c'est Jacqueline Dala yoki. Bon t'as l'image de Jacqueline Dala. Je pense pour ça que mon amour. Minga mobile n'est pas rebellé. Tout ce que Jacqueline Dala fait comme travail, na profession, na à l'époque chroniqueur, y a musique. L'honneur que Jacqueline Dala a eu copé sa fierté Jacqueline Dala a copé sa namboka. Aujourd'hui bah, j'étais en pâture. Simplement parce que Jacqueline Dala ne veut pas vous servir. Parce que Jacqueline Dala, Alina Sala, colombe la peuple. Vous pourriez tout dire, en tout cas. Ce n'est pas facile. Vous pourriez tout dire que non, Batouana, Baza Batou Alina Mbongo, Baza
bazana na combatté, bazana logique té, bazana conviction té. Voilà, c'est ça l'expression, les termes. Bazala ngo pona libuna bango. Mais je vous dis que ce n'est pas facile. Même si les faits que bino boka se wasa pona mabuna bango. Mais c'est prononcer clairement, c'est dire que je suis de l'opposition, je combats le pouvoir. Dans le contexte africain, c'est difficile. Il y a beaucoup d'histoires qu'on doit se priver à cause de ça. Il y a beaucoup de risques. Je vous dis, il y a beaucoup de risques. C'est pénible. Et ça facilite. Et là maintenant, Jacinda s'exprime. N'allez voir Jacinda la Boébi, Jacinda elle est célèbre. Mais il prend ce courage-là, un sportif, et l'homme même au bal pour dire que non, j'ai été abusé. Et tant que homme, babo tonanga honneur nangai, dignité nangai. Et le service, bazo koyo kango. Atangi pena sika, basala qui est en haut. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Soit que ça a tout le monde média lobby X chose, Y chose. Déjà, vous kamate, bah traqué déjà. Mais là, on ne dit rien. Et ce n'est pas commencé avec Jackie. Ce n'est pas commencé avec Jackie. La dame l'a si bien dit. Et je vous ai donné un autre cas, il y a plus Romain Roland. N'abaisse Bambote. Je ne confirme pas, mais je vous donne les faits, ce qui s'est passé dans un groupe WhatsApp, n'abaisse bien Chris Mukendi. Comment est-ce que Karabatoignon sacré, il disait ça que non, on a abusé également depuis Romain Roland. Donc pour la bango boloko ce que kokoti oza opposant et ce n'est pas abusé na eux. Pour eux c'est ça le combat politique. Pour eux c'est ça la politique. Un père de famille avec sa femme et ses enfants pour abuser naïe. Pour que vous saboter. Quel degré de sorcellerie? Là, ce n'est plus même la méchanceté. Là, c'est diabolique. C'est la sorcellerie. Bonito Lobani. Alors, abusez de nous tous. C'est le moment que Toyoka bat Telemi. C'est le moment que Toyoka bat Telemi. On doit arrêter avec ça. Soyez Jacqueline dans la lobby parce que hier, il y a la possibilité à Roloba. On pourrait s'imaginer combien de victimes, combien de gens souffrent à cause de l'acte modèle à Bongo, de la Boloko, et si Bazali, parce que tu as mis un bon cas au monde en moto, parce que Ayeba qui n'a été, n'a pas de temps à l'anzela, à moni, moi c'est qui te quoi lingué, or que moi si on a bien marapé, et en tout cas, un licang, moi si n'a coup de légitimité, à licang ou à mon compte, on va avoir un compte à la canicie. Motona ou même na boloko na tout le monde extrêmement ya moto ça là plus de 25 ans plus de 20 ans na prison un détenu dossier de babi sango et des cas comme ça sont légion. Pouvez-vous vous imaginer ce que ces gens subissent psychologiquement, moralement et tous les restes? Posez-vous également des questions. Pourquoi il y a certaines personnes oyo bakanga bango na bisika ona babima monsieur va changer ba langage monsieur ba se taire. Posez-vous des questions et vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. Vous allez analyser. Je vous donne les faits. Ce qui est... ce que vous êtes en train de vivre. Les vécus. Il y a certaines personnes qui ont été en train de se faire. Va changer le langage. Mais ce qui Babimi, va se taire complètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce ce que vous Babimi la prison est Sengeli à ses terres, ou bien on impose ce silence, la contrepartie est l'homme. Je vous ai dit que le président, et vous le savez très bien, avant Jobo Kondinaye, il a si bien dit qu'il y a un cachot nyoso clandestin, mais jusqu'à aujourd'hui, et ça va fonctionner, cette kikounie où ces cachots opèrent jusqu'à présent. Mais personne ne pense qu'on doit changer les choses. Personne. Bah, ONG a droit de nous dire que Bélé a Wassou Kabila. Pondre des rapports à chaque seconde, à chaque minute. Elles sont où, bah, ONG wana? Je ne parlerai pas dans le côté de débat. Mais quand même, c'est assez ridicule pour un intellectuel de descendre dans un niveau.
y a un débat wana pour dire que non, parce que Oyaza, Boena, Boena, Grosse, la Boete. Si effectivement c'est vrai, moi je suis dessus de comprendre, de voir que des intellectuels, l'élite congolaise, alors descendre très bas. Ça m'étonne, moi ça m'étonne. Mais j'ai froid au dos. Nous sommes yoka. Nobi, est-ce que Congo yo? Ils ont Congo pendant au Congo on s'appelle Sabiso. Ce qui se passe, c'est vrai, votre bol là n'a mais ça fait tellement très mal. Et nous on goûte les a n'a qu'à ta valeur d'Abiso t. Mon bien que j'ai tellement mal. Bon moi qui combat, y a mis ça constant Mutamba contre Makambuana. Mais il y a des gens qui se réveillent un bon matin, babité moutoué, c'est un tout kangaye. Toi abusé naïe, mon bali, un père de famille. Pourriez-vous vous imaginer les enfants de Jakinda là, en suivant ce témoignage, les images restent. Hein? Pourriez-vous vous imaginer les enfants de Jakinda là, en suivant ce témoignage? Quel notre papa, Basakeboué. Qu'est-ce que vous semez dans les têtes des enfants? Il y a Batoubo Salama Kambouana. Ce n'est pas au courage de pour arrêter cette hémorragie. Parce que ce que tu as témoigné, j'ai reçu un balai, un misère, tu as dit que Baka on est comme répétitif. Ça se répète. On pourrait conclure que c'est vraisemblable. Ça pourrait se vérifier. Et moi, ça me fait tellement très mal de voir que c'est les pays, c'est les régimes même. Du fils, excusez-moi d'Étienne Tshisekedi, du fils des Sphinx délimité. Pas si dans mon thème. Non, c'est la moi brèche, qui est dans le Balikambou, il y a Constant Mutamba. Oh, les lois, outils qui ont mis ça sous plus des prisonniers ébélés. Alors, on prend cette actualité, je vais vous lire ça. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité, pour votre amour que vous n'avez cessé de manifester à l'égard de cette grande émission, de cette grande tribune. C'est vrai, Nangana Babokonzi, un peuple, ça me manque énormément. Mais point de vue sur l'actu avec Gramic Legon, tout mon soutien à Jakinda, là, toute ma force. Je sais que bon, l'ukapé va m'embrouiller dans le Makambo. Je sais comment est-ce qu'ils fonctionnent, ces gens. Toute ma force à Jacqueline Dalle, en tout cas. Un père de famille, ça me fait très mal. Alors, le ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba, a libéré 1685 détenus. Je pense à l'illustration, vous allez également voir le ministre Constant Mutamba. Oui, bien, c'est parmi les ministres au bazar, je pourrais dire, à succès. Et le ministre qui essaye de travailler, qui essaie d'être actif dans ce gouvernement. Le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Mutamba, a libéré 1685 détenus malades ce dimanche 22 septembre à la prison de Makala dans le cadre de la poursuite de l'opération des désengorgements. C'était de l'information de savoir moi brèche parce que... Et comment est-ce que tu as ça fait tellement très mal. N'habite pas que tu as dit que tu as dit que tu as Oh landangaï. O vandina moi si na yo, o ta la bana na yo. Suko zo ka makambo nga za ko yebisa yo. Mais toi maintenant la place de Jakinda là. Ta femme abandonne hôtel on dengé nini. Tes enfants so ba koli lobby. So ba yo kiongo. État d'esprit na bango e commandé nini. Vous pensez que nous allons créer une république, maintenir une république comme ça? En tout cas, ça choque. Hein? Ça fait tellement très mal. Et nous allons constater, nous tous, que n'y aura rien qui va se passer. Alors, n'y aura rien. Si c'était un opposant, traque bandi, akemakala. Vous pourriez vous rappeler la façon dont on a traqué Mike Mukibaye. Tine Bakanga qui, aujourd'hui, jour pour jour, tu attendrais 2 ans, Mike Mukibaye en prison. Et comme le col a une sorte d'acharnement, il y a prisonnier mort privé, c'est le monde mort a décidé à l'oba. Au lieu que tout va fonctionner dans le texte, comme dans un état de droit.
comme dans une république. Mais ça, c'est ma bonté. Mais oh la bango avec toutes les bêtises qu'ils disent, qu'ils profanent, qu'ils professent, rien n'est fait. Mais ce n'est pas comme le quoi bah qui zingue écoute. Mais ce n'est pas tel à boire. Pour ce au lobby, la même chose bah c'est là qui na X, bon ça on a Y. Ça fait tellement très mal. J'ouvrirai encore une autre brèche. D'apporter mon soutien à mes frères, à mes confrères, Patrick Lokala, Yves Bouya et Siméon Issako. J'ai vu une sorte de plainte. Il y a Daniel Bumba à l'égard de Bandeko parce que bah, ça a été ma révélation. Bah, mener banquette Nabango. Mais j'aimerais rappeler ceci. La loi Mouya, je pense, ça a été déjà promulguée par le président. Donc, ils sont en vigueur. La loi Mouya a dit ceci. Avant de porter plainte, et Sengel Boyano, on a droit de réponse. Mais quand un gouverneur n'est pas au courant, soit ses avocats ne sont pas au courant de cette disposition, il y a loi Mouya. Dans l'arsenal juridique, loi Mouya, ils ont corrigé également presse. Oui, c'est son droit de se plaindre. Quand il est lésé. Mais il faut suivre la démarche. Loi récente, biso tout ébique, loi yasika, il y a qu'à pratiquement qu'on change ma cambo. Loi récente, l'obique, avant d'aller porter plainte contre un journaliste. Et cette loi a été promulguée par le président de la République. Donc, de ce fait, ils ont déjà en vigueur. Avant de porter plainte contre un journaliste, et c'est Ngeli. Je pense à l'image de Patrick Lokal, à Yves Bouyana, Siméon Issako, on a rebalancé en moitié parce que. Baby Bango. Ils appellent juste une brèche. Cette loi dit ceci, et Sengeli Liboso, ça a droit de réponse. Nabato, oh, bah, yébi, bah, politicien, oh, bah, yébi. Parce que ce sont des mêmes politiciens qui ont besoin de jouer sur le char à coups de pouce, à travers nos plumes, à travers nos micros, pour la repousser, Bango. Parce que les journalistes vont dénoncer. Après l'enquête, Daniel Bumba, qui ne fait absolument rien pour la ville, bon, on a un théâtre, on a un assainissement, on a pas où, et là, on a une ville à Kinshasa, est-ce qu'on peut faire l'assainissement? Quel ridicule! On a pas où? Est-ce que RDC Zangi tracteur? Ils ont un équipement, un solo, un matériel moderne pour l'assainissement? J'apprendrai également des d'arriérés. Ma ville à Kinshasa. Pas ma personnel, également ma député, ainsi de suite. J'apprendrai. Tozon en ango. Au lieu de chercher à faire un droit de réponse, il se précipite comme il avait annoncé sur Top Congo. Radio Top Congo, ma confrère Nabiso Christian Lusako, comme il y a quoi annoncé, ma plainte contre ma journaliste. N'a roté en bas sanction contre les journalistes. Bissomoko Oyo, avant de déposer plainte, bah l'obat qui est en Top Congo, il pas yé mon patron en Top Congo, Christian Lusakwe, non? Bah sanctionné, bissou à qui on l'obat, on va juste sur la chaîne naïe. On constate que Top Congo, comme le col a une sorte, il y a. Naïe, bite, allez-y comprendre vous-même. Analysez les faits. Le travail qui est fait Top Congo. Actuellement, pour nuire également. Na ba journaliste na ba na certains camps au ba se sentir frustré. Je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé avec Makambo IGF, avec Makambo ya bato belé belé Baloba. Ça fait tellement très mal. Et le seul conseil que je pourrais donner à Bumba, c'est de retirer ta plainte. Suis la démarche. Faites un droit de réponse. Faites un droit de réponse. C'est ça également les jeux démocratiques. C'est ça également la vitalité démocratique. Honneur à moi, Yanini Bino Bolinga, ce qui honneur à Nenini. Honneur à moi, c'est plus grave, il y a qu'on préserver, il y a qu'on bâtir, il y a qu'on salam, mon salam à longa. Yo, mon salam à longa, exacté. Rien n'est fait de bon.
Mais on dit qu'honneur n'a eu honneur n'a eu. Honneur en haut au bâti en anime. Parce qu'il y a des enquêtes menées. Bah, mettre en la place publique pour dire que non, il y a ce qui se passe comme ça, comme cela. Ceci, cela. Dans tel de ville, n'a eu moni qui a. Ah, Daniel Bumba le gouve. Avant, Daniel Bumba pouvait faire ça. Avant Daniel Bumba comme un gouverneur, au bandeau, je ne sais pas si je suis. Si les gens se parlent de toi aujourd'hui, c'est parce que vous avez géré. Et non parce que ça Daniel Bumba. Et non parce que bah, il n'y a pas. Non. C'est pas que c'est la République. Les gens sont démissionnés dans le Tiki. Monté à l'obélo à Zate. Preuve en est que tant aux alakités, personne ne parlait de toi. Vous avez certainement méconnu dans le grand public. Parce que jusqu'à présent également, il n'y a pas assez de. Des quinoa sont retournés par le gouverneur. Tu vois, vous voyez, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont été en train de faire la politique dans la chance. Mais la majorité, bon, est battue. Tout ça, vous dites dans ces zones sèches. Quel est le chantier que Daniel Bumba a lancé? Tout le monde a été. Chantiné à Liboso Bandi, c'est des plaintes contre les journalistes. Ah, merci beaucoup, monsieur Daniel Bumba. Faites la guerre contre les journalistes et vous allez savoir votre suite. Faites la guerre. Bah, y passer et cracher même sur la procédure. Ceux qui ont se sentir lésés, dans la déclaration aux journalistes, soit dans mon candidat aux journalistes à commis, cracher sur cette procédure et puis tout le monde a. Comment est-ce que nous allons fonctionner entre vous et nous? Et puis, tu vois, bandengeni, tu vois ça dans ma campo. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la peine de moulaïté. Et nous avons partagé dans nos ezali kambouya Jacques Ndala. Ce qui s'est dit, c'est vrai que Jacques Ndala paye la sanction. Il y a 45 jours par les César, après qui est à l'écana, bah, média n'y a pas. Également, Moto Oyo, à l'obique, yende mouta pistaki pour kassa et pour keba kanga Jacques Ndala. Et dans l'année, moi, Bexane Bele, il dit ces choses, en tout cas, plusieurs fois. Bon, on comprend que c'est un réseau. Mais pourquoi est-ce que les systèmes n'arrivent pas à démanteler? Donc, on pourrait conclure en disant que ça pourrait être un réseau mis en place par les régimes, les pouvoirs en place. Je ne sais pas, étant qu'intellectuel, je suis en train de réfléchir, de poser les jalons. Et les bases de comprendre ce qui pourrait se passer. Ou ce qui se passe. Et aujourd'hui, Batoubota la cabre, comme je vous ai dit. Nikambo comme la cabre. Yom dozo banaliser ma kambouana. Ne pense pas que face à l'injustice, aux en abri. Personne n'est à l'abri devant une injustice. Qu'on cautionne devant une injustice qu'on est incapable de dénoncer. Personne n'est à l'abri. Ça peut arriver à tout le monde. Quand Makambo lecture c'est le Makiawa. Quand nous étions en train de décrier Makambo, il y a Bozo et Salamaki. Batonyo sacré, il pensait que Bazaki n'a abri, Bazaki protégé la bêtise. Mais Bazé Bélé, il y a sacré Balélaki. Aujourd'hui, Lélo, il ne parle plus en bien des Kadima. Et je sais que demain, bon, le papier en bien était pour un régime. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, le pays va mal. Le pays ne va pas bien. Et puis, vous le savez très bien. C'est vrai, je vous accorde toujours bénéfice à doute. Non, c'est qu'il y a eu un temps. Bon, il y a eu un temps. Pour que vous avez eu un temps. Avec ce qui se passe dans ces régimes. Ça doit révolter tout le monde. Moujoui sur le Bakeno. Makamobe Sengele s'est réputé soutenir Mboka. C'est-à-dire, genre, il y a pouvoir. Genre, il y a régime où Sengele. Et ça l'a soutenu. Et ça l'a soutenu Mboka. Parce que, à part l'incompétence, il y a vraiment de la haine. Il y a vraiment de l'inimitié. Ce n'est pas l'adversité avec ces régimes. C'est l'inimitié. Certainement même, je crois, je pourrais croire. Bah, qu'il y a même aussi qu'à plus que ça. Plus que ce que l'on voit. Parce que, oh, tout le monde a parlé, il y a une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce qui se passe,
En dehors, il y a ce que nous nous sommes en train de voir et d'écouter. Ça pourrait être plus grave. Mais bon, je vous ai dit, je vous dis et je continue à dire que le pouvoir est tellement éphémère. Et le pouvoir est un piège. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes les tout-puissants éternels, ainsi de suite, plus que même Dieu. Mais sachez que le pouvoir est un piège. Lobby lobby aux alatés. Je parle de ça, en tout cas, c'était une sorte de campagne hein, ces derniers temps. Je ne parle que de ça. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens, bah, surtout, bah, tu vas dans la mangeoire. Et je dis toujours à Martin Fayulu, Koulou Tounangaï, oh, j'ai beaucoup d'estime et de respect. Tel a battu, oh, ils ont pensé que c'est un bon dialogue. Bon, ça, un dialogue. Bon, ça, un cohésion nationale. Des gens qui pensent comme ça que Bakangi, un père de famille, et Sengeli, va abuser la père de famille. Va arracher dignité et honneur. Et bah, toi, bon, on est. Koulou Tounangaï, tu penses vraiment, et Sengeli, ça, un bon cohésion nationale. Aussi longtemps, moi, j'ai dit matin, midi, soir, ici. Et je continue à le dire. Que ce pays n'a pas un problème de cohésion nationale. Ce qui se passe dans ce pays, c'est un groupe d'individus tellement très méchants, on pourrait même l'assimiler à des sorciers, qui veulent s'accaparer de toutes les richesses de ce pays. Abandonnant, bien sûr, les petits peuples. On ne doit pas se cacher, on doit se dire des vérités. Merci beaucoup, on va se retrouver prochainement. Continuez de vous abonner massivement à la Média Nabiso, Politique qui a Congo. Alors, Politique qui a Congo, Télévision, continuez de vous abonner très massivement. Je pourrais voir un peu qu'est-ce qui se passe encore. Oui, là, j'ai déjà, Nabiso, déjà, information. C'est tellement très grave ce qui se passe. Normalement, on a battu Bélé, Bazako, Réléan. Ça fait tellement très mal. Ça fait tellement très mal. Je pense à passer à Lobby si je pourrais passer. Ce qui est actualité, je pourrais vous balancer. Nous sommes bateau et on est beau temps dans YouTube. Je peux vous aider à balancer les binômes. Affiche il y a Citino, il y a opposition. Les cadres de concertation, on annonce ça qu'on en rappelant parce que c'est également ça notre combat. Les cadres de concertation des forces politiques et sociales organisent un sit-in pour dire non à l'injustice et l'oppression du régime en place contre les acteurs politiques et sociaux. Mercredi 25 septembre, Palais des Justices, point de rencontre, place des évolués, 9h juste. Bâtir photo à Jean-Marc Abound, Seth Kikuni, Daniel Safou, Jackson Cizaera, Mike Mukebay et Gloire Sassita. Abandeko et Obaza détenus injustement parce que ils défendent le peuple. On doit se le dire. Parce qu'ils disent des vérités. Et ce régime, ce pouvoir est hostile à la vérité. Et Oba Mouni Sengeli Basala va traquer Bandeko. On a de la même manière que Bumba a porté plainte contre Bandeko Moussousou. C'est tellement très ridicule. Alors, il y a une information qui vient de tomber également. Les cadres de concertation des forces politiques et sociales annoncent la participation de Martin Fayulu au sit-in prévu mercredi 25 septembre. Vous savez très bien, il y avait également un membre de l'ECID, Bouma qui est, pas policier, Tolobela qui en parle, devant les sièges de la police, devant plutôt les sièges de l'ECID. Ils sont à 0 mètre. Na bureau et à VPM intérieur, à 0 mètre na palais du peuple, à 0 mètre na stade, à 0 mètre na camp Kokolo, à 0 mètre également na aérodrome, je pense en Dolon. Martin Fayou sera là, comme annoncé par les cadres de concertation, na sit-in prévu ce 25 pour dénoncer la dictature et exiger justice pour les victimes des détentions arbitraires, dont celles qui coulent Jean-Marc Kaboun, Mike Mukeba, Daniel Safou, Sinzaera, Grasa, Sita, et moi, Siodou Gouking, Alain Siwako, Jean Papa Baki, moi, Bakombe, Pébé, Bélé, Baza, Pébé, Bélé, Nungu, Bakombe, Zapende, Bélé. Toujours selon les cadres de concertation, Martin Fayou se joint également à la manifestation pour exiger justice pour Jires Manzanza.
Chérubin Kende, les prisonniers de Makala, les Ouazalendo, les victimes des tueries, les Kilwa et Lulu. Ce qui est le Makambouana, Moussousou, et comme Makamoussou va profiter de Simanango. Alors, je prends congé de vous, on va se retrouver demain après demain. Actualité sur les bimites aux Alana pour que Toloba, To Martelé, To Betassé, To expliqué Bino. Et sachez que ce qui se passe, aucun pays dans le monde ne peut tolérer cela. Là, c'est même plus que l'époque coloniale. Parce que, on a eu qu'une époque coloniale parmi les bêtises de cette époque coloniale, l'esclavagisme même, n'a eu qu'à l'Ikambo, père de famille, abusé. C'est vrai que l'époque coloniale, ce n'était toujours que des femmes autres. Télémela qui la femme doit être respectée. Mais ma cambo mi bali les actes. Si quoi, oh y a régime au commis mi bali. Et ça la malili pour gagner quoi? Pour ne gagner que ce monde. Je suis Kamik Legor. Merci beaucoup à vous tous. Continuez de vous abonner massivement. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.